précédemment dans l'épisode précédent. Tu simules une blessure, comme ça il sera obligé de s'occuper de toi. Mais c'est une bonne idée ça, franchement Olivier, bravo. J'y vais. Ah, pourquoi j'ai vraiment mal? À cause de toi, il est blessé. Miracle. Mais non Olivier, j'ai fait semblant. Le karma il va te foudroyer hein. Ah, sexte pas ça, c'est bon. Ah, quel beau Noël. Enfin, voici ce jour tant attendu. Ce jour où enfants et parents se rassemblent pour célébrer cette merveilleuse fête. Amour, rire, cadeau, partage, tous ces ingrédients sont réunis pour passer un moment inoubliable. Enfin, pas tout le monde. Regarde-le, il est heureux, mais plus pour longtemps. Quand j'aurai ma revanche. T'es en train de rêver ou quoi là? Rejoins-nous, allez! Ça ne m'intéresse pas. Allez, allez, s'il te plaît, on passe un moment en famille. Rajoute un petit touche sur le sapin. Ok, bref, le sapin est fini. Qu'est-ce qu'il manque? Des cadeaux! Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préparer et on va partir pour acheter les cadeaux. C'est parti! On y va! Là, on va acheter des cadeaux de Noël. T'as prouvé un truc pour moi? Non. Regarde, je sais que c'est un secret, tu sais, quand on a fait cadeau. Mais là, demain c'est Noël, donc là tu peux me le dire. Non. Ah! J'ai compris ton jeu. Ah! Ah, t'es en train de me réserver une surprise. Tu joues la comédie, comme ça je devine pas c'est quoi le cadeau. J'ai rien prévu pour toi. Oh, il est fort. Vu comment tu joues, ça dit que c'est un gros cadeau. Tu connais Saint-Martin? C'est bon, tout le monde est prêt? Non, on est prêt. Super, vous êtes prêts? Ouais, je suis prête. Allez, on y va. Attendez une minute. Flash info, à cause des grèves, tous les magasins sont en rupture totale de cadeaux. Donc si vous vouliez acheter des cadeaux, c'est mort. Oh. Ah oui, aussi, il n'y a plus de transport. Bon ben, je crois qu'il n'y a plus de Noël. Moi, en tout cas, je sais où se trouve mon cadeau. Pas vrai, Steven? Hein? Pas vrai, Steven? Pas vrai, Steven? Oh, tu es gros. On va se battre, hein. T'as un blâme ou quoi? Non. Deux semaines que j'ai pas de nouveau jeu. Mais moi, mais comment je vais faire quoi? J'ai vraiment besoin. T'imagines Noël sans transport, sans cadeau, sans neige, mais où? S'il vous plaît. En tout cas, j'ai trouvé une solution pour fêter Noël. On va s'offrir des cadeaux. Fais maison. En tout cas, moi, je sais que j'ai un cadeau. J'ai pas de cadeau. Oh. Là, je respire, non? Si je te connaissais pas. Bah je t'aurais cru. Tu joues trop bien. À un moment j'ai douté, je me suis dit est-ce qu'il m'a vraiment acheté un cadeau ou pas. Mais non, je suis sûr. T'as le talent, t'as dû faire des vidéos sur YouTube hein. On dirait que vous avez pas compris. Je vais vous montrer. Par exemple, Stéphanie, elle a un téléphone. Elle va me l'offrir et maintenant ce sera à moi. Merci Stéphanie. Doucement ma soeur, ok. Déjà, paye tes impôts, après on verra, merci. Oui, et comme c'est de bon cœur et que c'est l'exemple que je fais, donc j'ai gardé mon téléphone. Merci Stéphanie. Arrête d'être fatale Nakamura, là c'est bon, t'es pas la queen, donne-moi ça, merci beaucoup. Mais je suis une diva et je garde ton téléphone. Oh la crevard. Wesh, tu fais quoi toi? Avec ta tête, on dirait une entorse, wesh. J'ai fier de l'être. Bouffon va. Bon, vous avez compris le principe? On se rejoint dans 3 heures, à tout de suite. J'espère que vous avez pu vous débrouiller pour trouver un cadeau, je sais que c'était pas facile. Par contre, petit info, si vous voulez m'offrir des tasses, ça ne sert à rien parce que ce sont mes tasses. Voilà, parfait, on peut commencer. Alors, avant de commencer, moi je dois mon cadeau, c'est très rapide, c'est pour tout le monde, regardez. Voilà. C'est quoi? Le loyer. Bon, vu que moi aussi c'est rapide, je vais vous donner vos cadeaux. Chérie, pour toi, je t'offre tout mon amour. Ton argent? Mon amour, j'ai dit. Ça vaut pas trop cher ça, hein? Et Olivier, je t'offre rien. Merci papa, y'a pas de quoi. Steven, je devais t'offrir un voyage pour aller à... Comment s'appelle la ville déjà? Ça commence par un N. Nîmes, Niort, Nantes. Ah non, attends, ça me revient je crois. Ah oui voilà, New York. Quoi? Oui, en fin de compte, je te mets emmener à New York. Mais le truc, c'est que tu t'es blessé la semaine dernière. Donc, je me suis dit, c'est un peu risqué. Ça commence le karma. Bref, Stéphanie, alors j'attends. Quoi, Steven? Y'a un problème? Non, mais enfin, je vais beaucoup mieux. Donc, pourquoi on y va pas? Enfin, moi, je suis bien là, regarde. Bizarre ça. Pourtant, t'as eu voir le médecin avec maman. Il a dit de ne pas bouger pendant 2 semaines. Et là, tu peux courir. Oui, c'est vrai, j'étais là. D'accord, je t'ai menti, je l'avoue. Bref.
Donc Stéphanie. Bah tu vois, y'a rien. C'est nul, je joue la protection moi. Je vais t'offrir une ceinture. Une de celles que tu collectionnes pour contrôler tous les enfants du monde. Starfella. Attends, c'est quoi ce délire? Mais tu fais quoi? Bah j'avais la protection. Tu oses parler de ça maintenant? Ah, se croit dans Avengers là. Alors là, vous allez vous calmer. C'est Noël. On est censé être une famille. Cette année, ça a été une belle année avec l'arrivée de Stéphanie. Il y a eu aussi les trois coupes de cheveux de Steven. Il y a aussi le nouveau voisin Gilles. Il est super gentil en plus. Et on a aussi retrouvé Olivier après son kidnapping. C'est Noël, c'est une fête en famille, donc profitons-en. Et s'il te plaît, chérie, règle ton problème avec Steven. Bon, Steven, j'ai un vrai cadeau pour toi. Ah bon? Ne bouge pas. Ah, voilà. Oh, j'ai hâte de voir. Oh, il est lourd. Oula, ça a l'air lourd, ça. Merci, papa. Oh, trop cool. Tu vas adorer. Tu sais comment elle s'appelle, cette ceinture? Elle s'appelle Karma. Le Karma... Ok. Ah, c'est relou, ils ont recommencé encore. Ah, vous avez volé.